So welcome to this new session of Essex Community Live. 30 minutes to discuss Essex current issue during which you will have to ask also the opportunity to ask your question in the chat room. So this discussion will be sometime in French, sometime in English, but always live here in the Calab. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission d'Essex Community Live. 30 minutes pendant lesquelles nous discuterons de l'Essex et de son actualité. Vous aurez d'ailleurs l'opportunité de poser vos questions dans le chat YouTube. Cette émission se tiendra parfois en anglais, parfois en français, mais toujours enregistrée en direct ici, au sein de notre k Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincenzo Esposito Vinzi, nouveau directeur général de l'ESSEC, qui a été nommé en décembre dernier. C'est l'occasion pour nous de partager avec lui sa vision, ses ambitions, son projet. Vincenzo Esposito Vinzi, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et présenter la fonction de directeur général Vincenzo Esposito Vinzi, you are CEO indeed. Can you present yourself and also present the function that you know have? Oh, très bien, d'abord euh, bonjour, merci pour, pour l'invitation. Je suis avec vous aujourd'hui avec, euh, avec grand plaisir, avec vous et avec toute la communauté SEC qui, qui nous regarde euh, en live ou euh, peut-être plus tard dans la journée. Euh, bon, d'abord c'est avec grand honneur et avec grand plaisir que j'ai accepté cette, euh, cette nomination. Euh, juste pour, euh, pour faire court, je suis arrivé à l'Essec il y a 11 ans, j'étais professeur de statistique. En 2011, doyen de corps professoral, donc élu par mes pères, le corps professoral permanent, pour les représenter, pour les gérer, pour euh, euh, faire développer le corps professoral. Et donc depuis 2011, au comité exécutif de l'ESSEC, euh, j'étais moi-même membre du comité de sélection de, de mon prédécesseur, euh, l'actuel ministre Jean-Michel Blanquer. Et à ses côtés, on a développé l'ESSEC ces dernières années. Et depuis début janvier, euh, nommé directeur général de l'ESSEC ou Dean and President, si on veut le dire en anglais. Et comment je vois la, la fonction de directeur général Je considère que le directeur général de l'ESSEC, euh, euh, qui est une institution académique, et qui juridiquement, c'est une association loi 1901, euh, c'est très important que son rôle soit le, le rôle d'un chef d'orchestre, euh, qui puisse bien, en euh, partie, un petit peu, euh, donner le rythme euh, pour l'institution, euh, inspirer, donner la stratégie, mais c'est extrêmement important. La communauté, euh, on a une, com une communauté euh, qui est faite de plusieurs acteurs, que ce soit les étudiants, les professeurs, les alumni, les entreprises, plusieurs parties prenantes. C'est très important que le, 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 le directeur général puisse rassembler toutes les parties prenantes, profiter de cette diversité, parce que chaque partie prenante peut apporter quelque chose de, de nouveau. Euh, un élan différent à l'école et, et donc sous la responsabilité du directeur général, faire développer davantage l'école, à la fois au niveau national et international, parce que la, désormais la compétition est de plus en plus forte, pas seulement par rapport à d'autres business schools, mais aussi par rapport au milieu universitaire de l'enseignement supérieur, et aussi par d'autres acteurs, notamment les entreprises, qui arrivent comme des acteurs euh, aussi de, de la formation de cadres. Donc dans, 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 dans ce cadre, c'est très important que que le directeur général soit vraiment un chef d'orchestre qui puisse faire en sorte que chacun, avec son instrument, puisse euh, créer voilà, une, une mélodie importante pour, pour l'ensemble de l'institution. Mais revenons un instant sur le processus de nomination. Euh, vous l'avez dit, hein, Jean-Michel Blanquet est parti pour l'éducation nationale en mai de l'année dernière. Tout à fait, le 17 mai. Et vous avez été nommé en décembre. Alors, euh... j'ai été nommé le 19 mai euh, comme directeur général par intérim, et ensuite euh, le 20 décembre par le conseil de surveillance. Donc, il y a eu quelques mois qui est tout à fait normal, je trouve, en ayant moi-même participé de l'autre côté de la barrière, je veux dire, euh, dans le comité de sélection. C'est très important parce que l'ESSEC, c'est une, une école importante. C'est une belle marque, à la fois au niveau national, international. Donc je suis sûr, j'en sais rien, mais je suis sûr, si je compare au processus précédent, qu'il y a eu beaucoup de candidats. Euh, de niveau et donc je suis sûr que le, le comité de sélection a, a fait un vrai processus de sélection, ce qui donne toute la légitimité à la, à, la, à, la, à peu importe quelle nomination et donc je trouve le, que la période était le moins que nous avons attendu pour pour la sélection. Voilà, c'est une période. Normale. Coup, juste dans cette période de, de transition, comme vous l'avez dit, euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu quand les décisions qui ont été prises Est-ce qu'il y avait euh... Ce que vous me disiez, vous étiez président, par, enfin, directeur par intérim. Euh, est-ce que vous avez quand même eu des décisions fortes à prendre, ou est-ce que bah, pendant six mois, l'essai a est un peu, euh, on va dire, naviguer sans capitaine et c'est un peu laissé porter en attendant la, la nomination Non, il y a eu une vraie. Je veux dire qu'il y a eu une vraie direction générale, et je, je considère que peut-être c'est aussi grâce à cette vraie direction générale qui a eu dans l'intérim que les parties prenantes ont fait le, euh, le choix de de de, nominer, de, 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 de de me donner l'honneur de diriger cette école. Et donc, c'est, je dirais, comme je disais au début de, de ma période d'intérim, je m'inscrivais un petit peu dans la continuité, mais dans une continuité innovante. Parce que c'était la continuité, l'ESSEC allait bien, l'ESSEC va bien. Euh, le directeur général était parti. Pour des raisons, je dirais, d'État. Et donc, c'était bien de s'inscrire dans la continuité, parce qu'on avait démarré avec Jean-Michel Blanquer un certain nombre de projets. Et donc, c'était important de s'inscrire dans la continuité. Mais après, chacun avec sa personnalité, son profil, ses idées, c'est aussi important de mettre dans la continuité une partie d'innovation. Donc, il y a eu quand même des, des, une préparation de décision euh, au cours de la période euh, d'intérim. Et euh, on a renouvelé des chaires, on a fait en sorte de continuer à développer des programmes, il y a eu l'implantation à l'international, on a poursuivi le, le développement à Singapour, euh, euh, assumé le nouveau développement euh, en Afrique avec le campus au Maroc. Donc tout cela a été, a été géré, a été développé euh, pendant la période intérim. Maintenant, ce qui change, je dirais, euh, c'est euh, d'abord, je dirais, la légitimité parce que c'est normal que dans la période d'intérim, il y a un vrai directeur général, mais on est quand même tous, moi-même, j'étais dans l'attente d'une décision de la part du comité de sélection. Maintenant que la décision est prise, il y a une direction, direction générale, je dirais, définitive. Euh, les attentes aussi de ma part, de la part de, de mon COMEX, de la part des parties prenantes, de la part des étudiants, les attentes changent, mais aussi ma légitimité change, parce que c'est une légitimité complète. Donc ça permet, si vous voulez, de passer à niveau supérieur. Et quand je parle de niveau supérieur, c'est la mise en place d'un nouvel élan dans la stratégie et de nouveaux projets. Uh, very good. So that would be my next question. Uh, can you elaborate a bit on the projects for which you've been selected? Because I think that you've presented project to the search committee. So now that you've been uh, nominated, can you uh, elaborate a bit of uh, what this project and this ambition is? Sure, sure. So first of all, I think that uh, um, uh, the, there is an ambition, there is a vision. And then, what we are working on right now is uh, the development of a strategic plan, which I do definitely want to build this uh, uh, strategic plan uh, by a principle that is what I call a co-construction. We need to co-build our strategic plan. When I say co-construction, it means implying the different stakeholders, implying the different actors, professors, students, our uh, corporate partners, our academic partners, our stakeholders. This is extremely important to. Uh, imply them in the process of defining a strategy, strategic plan, but all this needs to be inspired by uh, a vision and ambition. Uh, I believe that ESSEC must definitely be uh, a reference business school for the 21st century. When I think about reference, it means that we must show what are our singularities, but at the same time, also we need to be finally recognized at all levels. By ranking both national and international, uh, by companies, by students worldwide, uh, as a school of excellence. So, my, my uh, vision, my ambition, I would say, is related to really merge uh, somehow the singularity with the excellence. Uh, and if I can have a, uh, an ambition for the, for the school, it's related to a really a sec as a world. Business school because you see nowadays we say international, but international is something that refers uh, by now to many business schools in the world. ESSEC is a different way of being international. It's a world business school. What does that mean? It's a school in the world for the world because we are physically present on three continents. Uh, the way we are present there is by our own campuses, so we are definitely in the world. We need to be also for the world in the sense that uh, um, we need somehow to to blend. Our uh, local anchorage in the different parts of the world with the global impact. So it means that we need our campuses abroad to be uh, integrated partners with both the economic, the academic, and the social environments on site, but also having an impact that is worldwide. This is, must be true for our students, it must be true for our corporate partners, both worldwide and on the different, uh, and on the different campuses, and also for our, the uh, academic partners that we have. Um, but all this uh, we still have and we claim and it's very important for us our french roots is extremely important and for me there is a, a very clear translation of these french roots is a little bit the blending of uh, savoir savoir faire and savoir -être is the blending between knowledge which is very very much related to the french tradition the french culture and i feel even more legitimate in saying that as not being french for the moment being uh, myself uh, so it's extremely important merging uh, Savoir, so it's the knowledge. It's, uh, it's uh, the, the, the raison d'être of, of a school. The savoir faire is all we do in terms of pedagogical innovation and uh, uh, pedagogical methods. In terms of learning by doing, uh, all the experiences that we have in connections with uh, companies or other partners, and it's our etre is uh, our humanistic uh, roots. Is the our uh, I would say sensitivity. To respecting the others uh, and working in environments while respecting the environment, uh, uh, ethical issues, legal issues, and so forth, so on. So, this, those are our French roots. Uh, now, what comes next uh, in order to achieve this World Business School? Uh, I think it's very important that we need to be even more innovative uh, than today's. I'm thinking, for instance, about uh, the, digital, uh, the digital world. Uh, up to a few years ago, students come into a school, they were learning digital once they come to the school. Uh, nowadays, students come already from a world that is, uh, I like to say, digitally native. So once they come here, they need, they need to understand what is the impact of this uh, digitalization or, more generally speaking, is not only the digital tools, but is the artificial intelligence, is the data, is the big data, is all the uh, methods and uh, techniques and tool and technology that is around it. So digital is a word that summarizes all this, but it's much more than digital tools, so to see a little bit what is the impact of all this on their professional life, but also for the schools. And this is my one of my first ideas: is to build a digital campus. So so far, um, I don't have plans of building other physical campuses abroad, but to have a virtual campus, a digital campus that is complementary to our physical campuses and that can be helpful both for students that are in house. But also for prospect students that think eventually about coming to SEC, both for pre experience and post experience programs. But also, I think it's very important that we try to take advantage of the, of the digital tools and intel, in the artificial intelligence to follow up and to accompany our students, even when they become alumni, so that we can uh, follow them a little bit, try to understand how well. Our pedagogical uh, goals are accomplished, and uh, eventually we, we can propose personalized customized programs and uh, ways of dealing uh, with, uh, with our students even once they've left uh, they left the school uh, so this is the first part related to digital, uh, digital and virtual campus. Um, from the international point of view, we need to be even more international than today. we can be, in spite of being uh, on different continents, not necessarily by building campuses abroad, but we need to establish stronger relationships, alliances. i'm thinking about uh, a network of uh, uh, european business schools, a real strong alliance. our students already benefit a lot from exchange programs, some double degrees. We have 29 double de degrees overall, including France and abroad. But we definitely need more stronger alliances, which go beyond exchanging students. It means exchanging professors, it means uh, uh, doing research together, it means uh, uh, going to the market together, it means uh, searching for funds together. So, really, an alliance. And can you name some partners that could. Oh, for instance, we, we already have a, 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 um, a traditional partner, which is, uh, is Mannheim which is a, an historical and traditional partner uh, in germany. Uh, we, have, uh, we have started a uh, double degree and exchange education program with bocconi in italy. and so forth and so on. so we might have ideas of uh, other uh, stronger links to establish in spain. so if we are three, four, five european business schools and remaining, of course, each school with uh, our own identity. but. Really being more strongly related to each other, we can uh, we can have a better performance overall. And uh, uh, internationally speaking, going beyond the European borders, there are uh, uh, two areas for me that still require development of a SEC. Uh, these are United States, uh, where we need uh, to increase the visibility of our brand by strengthening links with top tier uh, schools. It can be. Uh, business schools, it can be engineering schools, it can be American universities, depending on what uh, what uh, we we can do together. Not to do uh, only more than what to do today, but also to do differently, to diversify the portfolio of activities that uh, we do. So I was talking about United States. The other strategic area for me is uh, China and India, because we are in Asia, we are in Singapore, and for me this um, this campus is abroad. Really need to. To have a role that is more and more a dual gateway, which means places where we can send students, professors, share ideas, exchange projects, uh, so to have sort of entry doors to local uh, uh, economies. But it's also very important in the idea of a dual gateway to have feedback uh, worldwide. So it's extremely important to, to strengthen links in areas like uh, China and India. So this is internationally speaking, what we we are trying to do right now. Du coup, si, si j'ai bien compris et si, si je schématise un peu rapidement, globalement, l'ESSEC aujourd'hui a une position euh, prédominante même dans le monde. Mais ce que vous dites, c'est que le projet que vous portez, c'est de développer ce projet vraiment en qualité pour qu'effectivement, euh, les étudiants de l'ESSEC aient une porte d'entrée sur le monde et ceux qui voudraient éventuellement venir à l'ESSEC voient l'ESSEC en fait comme une, une école mondiale et non seulement une école internationale. Voilà. Est-ce que vous avez euh, fait ce constat en regardant un peu les classements par rapport aux autres écoles et en voyant que peut-être l'ESSEC était en retard sur certains points, ou peut-être que non, à l'inverse, c'est vous qui dites qu'aujourd'hui, pour encore progresser et pour s'imposer, l'ESSEC doit être pionnière dans ce, dans ce genre de, de démarche. Vous avez utilisé un mot qui me plaît beaucoup, qui est qualité. Et vous avez utilisé un autre mot, qui est le comparaison par rapport à d'autres, qui me plaît moins dans le sens qu'il euh, me semble que l'ESSEC a une son identité à elle mm -hmm. et euh, sa mission à elle. Et il faut, il faut euh, le COMEX et le directeur général doivent vérifier la qualité du travail qu'ils amènent avec les parties prenantes et, et les acteurs de l'école à la fin d'une année académique par rapport à l'accomplissement de leur mission. Et ça, ça doit être, on doit faire en sorte que ça soit reconnu par les rankings, les classements nationaux, les rankings internationaux, euh, pour être, comme je disais tout au début, une école de premier plan. Et c'est pour cela qu'à mon avis, c'est très important que nous puissions ancrer... Je parle toujours de quatre cultures qu'on doit ancrer, qu'on doit consacrer dans l'école. La, dans la, dans c'est la culture académique, donc la culture académique qui est à la fois au niveau des étudiants, au niveau du staff, au niveau des parties prenantes, au niveau du corps professoral. C'est euh, l'intérêt pour les différentes dimensions d'une institution académique, c'est la transmission des de savoirs sûrs, c'est la production des savoirs, c'est la recherche. Une recherche qui doit être de plus en plus à la fois rigoureuse. Pour qu'elle soit considérée de haut niveau par nos pairs au niveau international, il faut qu'elle soit pertinente pour qu'elle puisse avoir un impact dans la société. Il faut aussi qu'elle puisse être diffusée. Donc, l'ESSEC doit aussi faire l'effort de faire en sorte de, de diffuser, de faire connaître euh, le, les produits de recherche et d'innovation de son corps professoral auprès de, de, de la société, de la société en général, pour que ce que nous faisons puisse avoir un impact. Euh, il faut aussi une deuxième culture, qui est la culture de l'excellence. Une excellence qui doit être à la fois au niveau académique, mais aussi au niveau opérationnel. Quand je parle d'excellence au niveau opérationnel, c'est l'excellence des services que nous rendons euh, à nos étudiants, que nous rendons à nos participants de la formation continue, que nous rendons à nos partenaires académiques, aux entreprises avec lesquelles nous collaborons. Donc c'est pour cela que ça me plaît beaucoup le mot que vous avez utilisé euh, il y a quelques minutes euh, de qualité, parce qu'on ne doit pas forcément faire plus on doit sélectionner ce que nous faisons on doit le faire mieux et à un niveau de qualité vraiment vraiment supérieur pour pouvoir nous affirmer au niveau international au niveau mondial et être reconnu comme une école de premier plan. ce n'est pas parce que nous faisons différemment des autres que nous pouvons céder sur le critère de l'excellence. on doit être singulier pour être une référence et en même temps on doit être excellent dans ce, dans ce que nous faisons. Et pour cela, il y a une troisième culture. Avant de passer à la troisième culture, vous parlez oui. d'excellence, excellence académique, excellence opérationnelle. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'activités où vous aimeriez vraiment euh, améliorer cette excellence euh, dans le, le service aux étudiants en particulier puisque je suppose que Oui, sympa. justement, je vais parler à la fois d'excellence académique, qui est une condition sine qua non dans une école du niveau de l'ESSEC. Quand je parle d'excellence académique, c'est l'expérience. Euh, de l'étudiant, c'est ce aussi la manière dont nous sélectionnons les étudiants. Donc, ce n'est pas parce que nous souhaitons développer le programme en termes de taille et d'effectif que nous baissons la qualité des étudiants que nous sélectionnons. Donc, rien ne doit être fait au détriment des critères de sélection. Rien ne doit être fait au détriment de la qualité des professeurs et des professionnels que vous rencontrez dans la salle de cours. Rien ne doit être fait au détriment des expériences pédagogiques qui sont aussi euh, en dehors de la salle de cours. On a d'autres plateformes. Euh, pédagogiques qui ne sont pas forcément dans la salle de cours, mais des expériences que vous, vous êtes en train de vivre au cours de, de l'année académique. C'est le service carrière, parce qu'un étudiant qui fait l'essai, peu importe si c'est en formation initiale ou en formation continue, in fine, euh, on a l'objectif d'avoir euh, du bon, du très bon carrière placement. Donc euh, il faut une excellence aussi à ce niveau. Donc nous devons nous euh, entamer euh, aussi des relations avec les entreprises et le monde professionnel en utilisant et en s'appuyant aussi sur nos réseaux d'alumni. Et donc, c'est en général la qualité de tout ce que nous faisons, y compris, donc je parle toujours d'expérience, l'expérience de, de l'ESSEC euh, pré-experience, ce que nous, on, nous, on, nous on appelons aujourd'hui la formation initiale, c'est l'expérience post-experience liée un petit peu à la, à la formation continue, c'est l'expérience auprès des entreprises, c'est l'expérience aussi financière, peut-être on pourra en dire un mot, un mot tout à l'heure, et c'est en général aussi l'expérience humaine, de la, de, la, de la présence à la fois des étudiants, des professeurs et du staff au sein de l'institution qui doit être d'excellence. Et donc, en quelques mots, le, les cultures 3 et 4 euh... Les cultures 3 et 4, alors, il y a une culture de, de cohésion, de partage, de co-construction, de, de transversalité qui est extrêmement importante. Donc, il faut faire en sorte... Parce que l'ESSEC a, a beaucoup développé, s'est beaucoup développé ces dernières années. Euh, en termes de portefeuille de programme, en termes de euh, nombre d'activités, euh, en termes de présence à l'étranger. Donc nous avons une, une, une école qui est complexe dans le sens... Euh, euh, pas dans un sens négatif, mais complexe en termes de structure, en termes d'ampleur. Donc, c'est le résultat un petit peu de ce développement. Donc, on doit tout faire pour casser tout silo, que ça soit entre les Français ou les internationaux, ou entre ce que nous faisons ici à Sergi ou ce que nous faisons ailleurs dans les campus, que ça soit voilà entre toutes les activités. Donc, il faut vraiment le partage, la cohésion, la co-construction. C'est euh, extrêmement important. Je vous ai parlé euh, déjà de la, de la culture de l'excellence académique opérationnelle, euh, de la culture de la co-construction, de la culture ac académique, et il y a une quatrième culture qui est la culture du développement. Nous développons beaucoup de choses, mais je souhaite que ce développement, c'est si aussi il y a un petit peu l'aspect économique, euh, ce développement soit un développement aussi responsable, mais responsable dans le sens anglais du terme, accountable, et qui puisse assurer un modèle économique pérenne. Pour, pour l'institution. Parlons-en justement, puisque les chambres, comme vous le savez, ont annoncé hein, qu'elles euh, allaient sans doute devoir revoir leurs subventions aux écoles, à l'essai comme ailleurs d'ailleurs. Quel impact ça va avoir sur notre modèle économique Vous parlez de développement et de, 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 de consacrer la culture du développement, mais euh, est-ce que ça va avoir un impact par exemple sur les frais d'inscription des étudiants euh, Est-ce qu'on va réduire les coûts euh, Est-ce que vous pouvez en dire plus Oui, il va, il va sûrement avoir une, une baisse, comme c'est connu dans la, dans la presse. Des subventions publiques, notamment les subventions de la Chambre pour, pour les écoles de commerce, pour les SEC comme aussi pour les, les deux autres écoles parisiennes. Euh, ça ne va pas amener à une refonte du modèle économique, donc il ne va pas avoir un impact direct sur les frais de scolarité. Par ailleurs, pour l'année la, pour prochaine, nous avons confirmé et déjà les, les frais de scolarité. Euh, mais savoir un impact sur la culture de développement de la maison, c'est ça que je souhaite. Ça veut dire que euh, le modèle économique d'une école de commerce se base essentiellement euh, sur une formule qui est nombre, nombre d'étudiants fois frais de scolarité, peu importe, bien évidemment, les, le, le, les, les programmes. Et euh, donc, non, normalement, les directions générales peuvent, peuvent, peuvent travailler sur le nombre d'effectifs. Et sur les frais de scolarité. Je considère qu'aujourd'hui, l'ESSEC attend un plafond en termes d'effectifs de, de, dans les programmes euh, généralistes. Et par exemple, je parle de la grande école, je parle de, de programmes post-bac en quatre ans. Nous avons des marges de progression dans d'autres programmes, notamment, je pense, au MBA, qui est, à, qui est un programme qui par, par ailleurs vient d'être classé par le Financial Times. Donc, nous allons enfin une visibilité importante au niveau international. Donc, là, on a des marges de progression en termes de développement aussi d'effectifs. Euh, par contre, il me semble important de pouvoir développer un fundraising basé sur des projets, des projets qui sont des projets immobiliers. On pourrait parler, par exemple, du projet Campus 2020. Mm -hmm. euh, c'est des projets liés au Tote Leadership de professeurs. des professeurs. C'est des projets liés à la recherche et à l'innovation. Euh, donc, c'est des projets euh, qui peuvent inspirer du fundraising et, et pour lesquels donc nous allons mettre en place une unité au sein de l'ESSEC, une business unit au sein de l'ESSEC spécifique, orientée développement entreprise. So you mentioned the, the Financial Times ranking. Uh, for the global mba, which is a very good news for the school. but so uh, we, we, we mentioned very briefly uh, the benchmark with the other schools and you said that you don't like to compare too much. but on the other hand, i think that it's important that we are well placed in the rankings. so uh, ca can you say some words about that? what's your ambition for the rankings? do you see the, the, the school evolving in this matter? yes. rankings are extremely important for our community. they must not be our raison d'etre. they must be the outcome of what we do. We must not work for the rankings, but the ranking must recognise what we do. It must be a sort of a final stamp known internationally of what we do. That's why, at the very beginning, I was saying that it's extremely important for us to be at the same time uh, to differentiate ourselves, to be to have a singularity. But this singularity must be—it's our job—must be recognised. As a first plan, as a, a must uh, must be recognized, so that sec is really a top tier business school in the world. So we can progress in the ranking, and we are, for instance, uh, uh, I would say a black hole of the past, which was related to our absence in the ranking of Financial Times for the. Uh, glow for the MBA program, which is not something specific only to MBA students and <coughs> the MBA uh, professors and the MBA community, but it's very important. We recognize that being well ranked in ranking, also for specific programs, is a benefit for the whole school, um, for the school as a whole, for all our stakeholders, for the alumni, whatever program they are in. Uh, so we can progress there. <coughs> we know because there are, of course. Criteria behind the rankings, so we analyze them. We have uh, we have uh, a team in the school that analyzes the outcome of rankings, analyzes the different criteria, and we see. What we we can improve, as long as this is coherent with our strategy. So we do see that we we can improve in the way we place the students related to the MBA. Uh, we can improve also in the way we develop research in the school. So those are those becomes criteria that, since they are coherent with the strategy I was uh, I was describing uh, earlier on, of course we can make investments on those criteria to even improve our ranking in the in those areas. And so to come back to the strategy that you mentioned previously, which is the double gate. Strategy, what will be the impact of, of that uh, to the programs? In terms of the, the double gateway, it's very important for me that uh, it doesn't matter what campus we are in, we keep the same standards in terms of quality, in terms of uh, when I say quality, is uh, quality of recruitment quality of the programs we deliver and links with the different uh, with the different with the professional world so with the different corporate partners which are extremely important for uh, for our students and it's for this that it's very important that uh, our campuses abroad really become integrated partners this is the, the, the key word for me internationally speaking they are not just our premises abroad but those uh, those uh, physical establishments are really integrated in the uh, in the regions Peut-être pour nous euh, revenir sur quelque chose que, que vous n'avez pas mentionné parce que pour vous c'est évident mais euh, là vous nous présentez quand même beaucoup de, de nouveautés. Euh, Qu'est-ce qui vous occupe en fait vraiment en ce moment au quotidien et voire même ma question pour aller plus loin en fait c'est quoi être directeur de l'ESSEC tous les jours parce que c'est vrai que on vous voit sur les réseaux sociaux aller à la Singapour on vous voit aller euh, Maroc, mais en fait, on ne sait pas trop exactement bah, euh, exactement ouais. comment se décompose votre, votre journée. Je sais que ça, bon, ça casse un peu avec ce qu'on disait juste avant, mais c'est le behind the scene ouais. de ce que je viens de, de raconter. Euh, donc la, la journée, c'est une journée assez longue, je dirais, mais avec beaucoup Brasil, c'est c'est une journée avec beaucoup de diversité. Donc il y a le directeur général et est, est aussi euh, le manager de l'école. Donc il y a des équipes à manager, il y a un comex à manager. Euh, qui se réunit de manière hebdomadaire. Euh, doit, euh, le directeur général de l'ESSEC doit porter euh, l'image, la parole de l'ESSEC à l'extérieur. Et quand on dit l'extérieur, l'extérieur, euh, il y a, il y a plusieurs, plusieurs choses. Il y a, par exemple, quand je vais à l'étranger, euh, il y a les communautés à l'étranger, il y a les alumnis sur place, il y a les, les partenaires sur place euh, avec qui on doit faire des accords pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait des recrutements des étudiants, pour qu'il y ait la possibilité de faire du carrière placement. Il y a les échanges avec les stakeholders, il y a les échanges avec le gouvernement, parce que nos programmes, il faut que les programmes soient, euh, soient euh, visés ou gradés, si je peux utiliser le mot, par, selon les programmes, par, euh, par le gouvernement. Donc le rôle du directeur général, euh, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Il y a aussi et c'est une question aussi de trouver le, je dirais le challenge pour un directeur général, c'est de trouver un équilibre parce que maintenant que je suis avec vous et avec toute la communauté qui est en ligne, euh, il y a le staff de l'ESSEC qui aimerait bien que je sois avec eux, il y a les alumni de l'ESSEC qui aimerait bien que je sois avec eux, il y a le gouvernement qui aimerait bien que je sois avec eux pour les programmes, etc., etc. c'est tout à fait, c'est tout à fait normal. Donc la, 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 le défi, c'est bien évidemment de pouvoir aussi être capable de déléguer un certain nombre de, euh, de tâches, à la fois en interne et à l'extérieur. Donc c'est très important, comme je disais tout au début, chef d'orchestre, c'est extrêmement important d'être capable de s'entourer d'une équipe euh, à laquelle je peux faire confiance, qui puisse porter si bien que moi. Euh, l'image et la parole de l'essèque à l'extérieur. Justement, pour, on arrive bientôt à la fin de notre émission, mais donc vous dites que vous avez toute une série d'activités très, très variées. Hein. Je suppose que vous ne commencez pas à 9h et vous ne partez pas à, à 17h. Euh, mais mais qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes arrivé dans votre nouveau rôle Est-ce qu'il y a des petites anecdotes que vous pouvez nous donner qui, qui dénotent du caractère un peu exceptionnel de cette fonction euh, Qu'est-ce qui m'a surpris Il y a, Je ne dirais pas qu'il y a des, une surprise. C'est vrai que les choses sont passées, en ce qui me concerne à l'ESSEC, de manière assez graduelle. C'est une maison que je connais, parce que ça fait 11 ans que je suis à l'ESSEC. Après, c'est vrai qu'on découvre, comme je disais, l'ESSEC, c'est une organisation euh, complexe en termes de, de structure, parce que c'est une grande maison, et grande dans, dans les deux sens. C'est en termes de taille, en termes d'ancienneté et en termes de, de valeur. Euh, donc toujours on découvre des petites choses, mais comme je suis à l'ESSEC depuis 11 ans, j'ai pu découvrir, j'ai eu la, la chance de découvrir les choses au fur et à mesure, euh, j'ai eu la chance d'être au COMEX depuis 6 ans, d'avoir géré une période intérimaire, donc d'apprendre au fur et à mesure et ne pas d'être catapulté, euh, si je peux utiliser le mot, euh, du jour au lendemain euh, à la direction générale. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la capacité, parce qu'on peut, peut être facilement toujours euh, pris euh, euh, tous les jours et chaque moment dans la journée, par l'action ou par, la, par une réunion ou par les échanges, c'est très important pour un détenant général d'être capable de prendre du recul pour essayer d'anticiper quelque chose qui va arriver, d'être capable de réfléchir. Et ça, ça doit être la force, je trouve, d'un euh, directeur général d'arriver à trouver le moment, que ce soit le jour, la nuit, le week-end, peu importe, à l'aube ou, ou quand vous le soleil couche, peu importe, mais d'être capable. Et, et ça, ça, la surprise que j'ai, c'est que ça arrive assez naturellement. Il ne faut pas que je fasse des efforts, je ne sais pas, peut-être c'est le côté académique, le fait d'être poussé à la réflexion, à la curiosité, d'être capable d'analyser les situations, de ne pas se faire porter. Par le vent parce que voilà c'est plutôt l'essai qui doit imposer. Quel est votre truc Jean-Michel Blanquer disait qu'il se levait parfois très tôt le matin, à 4 heures du matin, pour écrire. Est-ce que vous, vous avez un hobby euh, qui vous permet de vous changer les idées euh, Moi, je suis à la fois j'aime bien euh, j'aime bien très, tôt, très tard le soir et aussi très tôt le matin. Pourquoi Parce que c'est le moment où il faut savoir que l'essai est en présence, par exemple à Singapour, et quand la nuit. Tombe à Sergi, le soleil se lève à, à Singapour, donc euh, voilà, vous comprenez bien que le détergent a besoin d'être à la fois à Singapour et à Sergi. Euh, mon hobby préféré, donc j'ai deux hobbies, c'est euh, jouer le tennis et le moment d'un match de tennis pour moi c'est un moment de réflexion. Surtout les, la demi-heure avant, débuter à match de Nice et la demi-heure après dans les vestiaires, c'est un moment de réflexion. Donc les secs m'accompagnent dans ces moments de réflexion. Je dis voilà très sereinement. Et après, j'aime pas jouer le foot, mais je suis supporter d'une équipe de foot que je ne dévoile pas ici. Mais Vous jouez ce soir, le moment, ouais. oui, 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 je joue ce soir, tout à fait, c'est italienne. Mais euh, voilà, le moment de regarder demain soir. Là, dans mon salon et regarder le match de foot, c'est aussi un moment de, de réflexion. Donc, c'est très important. Et je trouve, je conseille aussi aux étudiants, parce que la vie professionnelle va vous amener quand même à avoir des, des voilà beaucoup d'heures de travail et d'être beaucoup dans l'action, mais prenez le temps, peu importe si c'est dans un vestiaire, dans un club de tennis ou en face d'un match de foot ou, ou à côté de quelqu'un, prenez le moment pour réfléchir et pour prendre du recul et pour anticiper ce que pourrait être, parce que sinon vous allez subir la journée, il ne faut pas la subir. Et il faut, il faut vraiment être capable d'influencer votre journée, d'apporter quelque chose. Il ne faut, faut pas être un dirigeant de succès, il faut être un dirigeant qui soit capable de laisser une trace derrière, derrière vous. Donc c'est ça le conseil que je donne à. Au, au talent que nous formons. Sur cette note de ouais. sagesse, je propose que nous clôturions cette émission. Vincenzo Esposito-Vinzi, merci beaucoup euh, de votre présence. C'est moi que vous remercie et je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions dès qu'on aura un plan stratégique pour entrer encore plus dans les détails de nos multiples projets. Avec plaisir. Merci, merci. beaucoup. À merci, merci à vous.